espace, l'ultime frontière, hein ? Bon, d'accord, bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo, la 16e de Fallout 4 Ultimate 2021. C'est bientôt la fin et nous allons nous atteler aux correctifs, aux performances et à la restauration de contenu. Pendant que les noms de ceux qui rendent possible ce type de vidéo défilent et vous avez tout ce qu'il faut pour soutenir la chaîne et tout ce boulot en description, nous allons donc dans cette vidéo faire un certain nombre d'opérations qui n'est pas de l'installation de mode pur et nous allons commencer, disons, quelques correctifs pour ceux qui n'ont pas bien suivi tout ce qui est dans les vidéos, hein. On va s'assurer que tout va bien au niveau invalidation. Pour ce faire, nous allons ouvrir le dossier que nous avons créé en début de modding, hein, Fallout 4 modding. Clic droit sur MO2, ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, nous allons dans profil défaut. Vous avez tous les ini qui seront pris en compte par MO2. Nous allons éditer le Fallout 4 custom.ini. Hop, et nous assurer que binvalide holder file égale 1 est bien présent tout en haut dans la section archives. Ensuite, nous allons aller sur le Nexus, hop, télécharger Armor Space Extended, la version originale car nous avons besoin des ressources. Manuel download. Download. En attendant que ça se télécharge, hop, on va remonter ce qu'a trouvé Armor Smith Extended, qui, hop, s'appelle, bien sûr, confrérie des traducteurs oblige, refonte du système d'armure. Clic droit, Open in Explorer. Une fois le téléchargement terminé, hop, on va décompresser ceci. Besoin de l'archive, on ouvre. Hop, on prend les deux BA2. On fait couper, on va dans notre dossier, on fait coller. Et pour ceux qui ont des soucis de performance et uniquement pour eux, nous allons maintenant passer à Insignificant Object Remover, un mode qui enlève certains objets, donc on va attendre. Hein. Ici c'est la Vanilla, ici Morgrass plus AOR, ici c'est plus par là, hein. Vous voyez, il y a des pierres qui sont en 3D qui vont être enlevés et il ne restera plus que les textures. Donc vraiment, si vous avez des soucis de performance, ici vous avez même en haut à droite, hein, je sais pas si vous voyez, on gagne 5 FPS sur cette section. Onglet File, Mode Manager Download et Activation. Hop, CTRL M, sélectionne. Ici, on prend la version Lite et Install. Pour ma part, je vais désactiver le mode. Hein. N'oubliez pas d'activer si vous le voulez. Comme ceci, hein, vous connaissez la musique. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Pour certains NPC avec ces bébés, on va corriger le petit souci de coût avec ce mode. Onglet File. Mode Manager Download sur le premier. Download. Et cela s'installe normalement. Et maintenant, un petit correctif sur la physique qui va augmenter nos FPS. C'est IFS, Physics Fix. C'est un plugin F4SE. Mode Manager, Download, Download. Et on s'installe ça, franchement, sans sourciller. Il s'agira non pas de rajouter un ESP, mais d'une DLL qui va faire même que le jeu chargera un peu plus vite. Pour continuer, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les corps avec toutes leurs armures, leurs armes, tout ça ne coulait pas, eh ben vous aviez raison et on va corriger cela avec Sinking Bodies, Mode Manager Download. Et voici pour les Meat Bags, histoire d'ajouter une petite animation qui rend ça plus réaliste et qui mange vraiment pas de pain. On va installer Swinging Animated Meat Bags. Bon, tout ça, c'est du petit mode qui s'installe tout seul. Maintenant, on va virer certaines ombres des... ou plutôt, on va modifier certaines ombres des espèces de barils en fil de fer, hein, comme ceci.
Oupla. On va corriger les animations de tout ce qui est banc. Tout simplement avec un petit ESL, ou le manager de Node. On va ensuite corriger le load pour tout ce qui est eau, avec Water Load Fix. Dans le même esprit, le correctif pour les rivières qui font n'importe quoi, hein. Ici. ESL, bien entendu. Prenez les ESL quand vous le pouvez, hein. Et puisqu'on en est dans les correctifs bas du front, c'est, enfin bas du front, totalement indispensable, les Alpha Maps, hein. Hop, comme vous le voyez ici, avant, après. Vu que ce soit du plein, c'est devenu un vrai objet en fait. Alors non, on ne prend pas les loose files. Hein. Et nous allons passer maintenant, non pas un mode, mais deux modes pour corriger l'herbe. L'herbe envahissante dans les endroits où elle ne devrait pas être. Attention, c'est assez radical. Le premier, c'est Grass Rewort, qui corrige l'air présent dans l'eau, la roche, tout ça. On les file, attention, prendre True Grass, puisque nous avons installé, non pas, enfin, True Grass avec une variante, donc c'est True Grass Vanilla qui s'adapte. Et nos More Twigs, alors pour les petits branchages ici, hein, qui poussaient un petit peu n'importe où, Before, et After. À ne pas confondre avec No More Twigs, parce que les Twigs, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien en tout cas. Même si je préférais quand ça s'appelait Raider. Ça permettait d'avoir un petit peu plus de blagues possibles. Hein. Raider de doigt coupe fin. Ta. Et de blagues dans Supersonic Radio, d'ailleurs. Alors maintenant, un mode à installer. Avant de passer à l'installation de la restauration de contenu, enfin la section restauration de contenu de cette vidéo, un petit mode à installer si vous jouez en mode survie, c'est Customizable Needs ou besoins personnalisables. Nous allons avoir besoin du mode original. De toute façon, le mode ne s'activera que si vous activez le mode survie. Mode Manager Download. Ensuite, la traduction. Mode Manager Download. Ensuite, l'installation. Mode, non pas ça. Alors, hop. La full version, hein. Next. Hop. Et install. Activation et traduction. Et pour terminer cette vidéo, vous aurez le dilemme de Dance pour commencer donc à restaurer un petit peu de contenu. Ce mode rajoutera plusieurs options supplémentaires, hein, qui augmenteront les possibilités en fin de la série de modes concernant la Brother Rule of Steel. Téléchargez le mode, on déplace et on installe. On active et hop, on passe au Centaure. Alors comme vous le savez, ces ennemis étaient présents, hein, dans Fallout 3, je crois, il me semble, et ont été, par manque de temps, supprimer du Fallout 4, on va hop remédier à cela. Mode Manager Download sur le mode original, ensuite onglet File, Mode Manager Download sur la traduction. A noter que les centaures étaient présents dans les concept art au début aussi du jeu. C'est pour ça que je considère que c'est de la restauration. Donc le premier, Institut de Centaures, et le second. Terminons en beauté avec Grieving Raiders, the most important mode. Un correctif pour le pillard qui prie sur la tombe pour qu'il soit plus agressif. C'est franchement indispensable. Mode Manager Download, activation. Et ensuite, rendez-vous en jeu. Et nous voici en armure assistée, nous baladant. Hop, sur une save où les modes de quête n'étaient pas activés.
Hop, plus d'herbe à l'intérieur, c'est magique. Alors, la prochaine fois, nous allons nous attaquer... Bon, je vais pas vous montrer tous les correctifs. Je vais pas refaire la quête de Dance pour vous montrer ça. Mais nous allons donc nous attaquer la prochaine fois à la refrancisation du jeu. Comme promis en début de guide, pour ceux qui ne veulent pas de franglais. Vous voyez, hein. Hop, allez, sautons. Allons voir là-bas si j'y suis. Ici, l'herbe est un peu plus parsemée, hein. C'est quand même bien fun tout ça. C'est quand même bien joli, comme redécouverte du jeu. C'est pas que c'est un autre jeu, mais c'est un autre jeu. C'est un Fallout 4 un petit peu plus se rapprochant de l'esprit Fallout New Vegas. C'est un Fallout 4 avec des graphismes plus ou moins actuels tout de même, hein, qui passera très bien sur les configs actuels au niveau FPS. Faut pas oublier que le moteur, bon, est-ce qu'il est, hein, moteur de Bethesda. Voilà, une petite sauvegarde rapide. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu, à vous dire à dimanche prochain pour une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus barbante, enfin... Il faudra vraiment faire super attention à vous. C'est à moi que tu parles, Bilou. Hop. Donc il faudra vraiment être très attentif la prochaine fois pour remettre du FR. Décidément, j'adore vraiment ce que nous avons installé pour la fumée des armes à feu, tout ça. Oui, oh, voilà, parti pour continuer à jouer. Donc, à la semaine prochaine pour remettre du FR. Ensuite, la semaine d'après, ce sera commencer un nouveau run, configurer tous les menus MCM. Et ensuite, ce sera une bonne semaine de repos pour moi, qui suis sur les genoux. Allez, très très bon jeu. T'es où ? J'ai entendu un qui est là. Hein ? Hein ? Bon. À ciao.